C'est parfait. Salut gamer, on se retrouve pour la suite du live. Voir en bas, juste en bas là, j'ai changé les sprites. Je me suis un peu amusé pour une deuxième fois. Donc voilà, on a pu voir que maintenant j'ai rajouté le roux carnage Léviator, le cadavre en avait déjà, le Tibune Shep alias Matchhopper et le Florizard. Donc voilà, maintenant on va aller dans le casino. Eh, y'a Jesse James ici. Allez, allez, j'y suis presque. Dis Jesse, faudrait peut-être qu'on arrête de jouer et qu'on retourne dans la planque. Hein, quoi? Mais non. Pourquoi je suis bien là, moi? On a donné l'hostel au premier garde qu'on a vu, donc on a rempli le part du contrat. Pardon, hein, mais j'ai bien mérité une pause. Et d'abord... Attendez, je te... Voilà, c'est le téléphone qui m'a graffé, qui faisait mal aux yeux. Et d'abord, je suis même pas comment... Je sais même pas comment accéder à cette fiche planque et ils m'énervent avec leur sécurité moisie. D'ailleurs, c'est quoi déjà l'astuce pour trouver l'entrée secrète d'une planque? Oh, je connais une qui n'a pas écouté pendant la réunion, on en a l'air. Il faut chercher le poster avec le truc dessus. Tu sais, le truc trop stylé qui va à la vitesse de la lumière, comme nous. Je garde le poste, bouge là où tu vas morfler. C'est toi qui vas morfler. Et c'est parti. Crat attaque. Le petit Pikachu. Attention. Allez. Bye bye. Et voilà. Oh non, il a perdu. Notre cachette va être découverte, faut que j'aille vite prévenir le chef. Ça va cool, la fusée. Oh, un bouton de cachette derrière le poster. Et allez, on appuie dessus. Vous entendez un gros bruit provenant de quelque part à cet étage. Ouh. Qu'est-ce qu'elle fait? Chut, je suis fatal. Steffi fatal, je suis une espion en mission. Mais dis-moi, que fait un gamin comme toi par ici? Je suis là pour vaincre la Team Rocket. Oh oh oh, tu as du cran, tu me plais. Tu as profité d'une rencontre, laisse Steffi t'offrir ceci. Mais non. Mais non. Mais non. Ça va bien. Ça va bien. Oh, ce que je viens de drop. Trop stylé les sprites. Mais non. C'est mon chat qui est foufou. C'est trop bien. Mais oui! Oh, c'est trop bien! La meilleure tenue. Trop bien! Habillé en Team Rocket. Oh oh. Qu'est-ce qu'il regarde lui? La sorte ne marche pas, et bah c'est dommage ça. Le mec il pourrait avoir la clé. Et ouais, moi tu peux te brosser, tu l'auras pas. Je vais le battre direct. Bien Team Rocket veut se battre. T'as de mort. J'espère que ça sera difficile à liguer les légendaires. Bah je sais pas comment ça va être, mais il y a des gens qui ont mis genre dans trash, c'était facile. Oh il a... Ouf, il y a si l'invité. Oh non. Bon ben... Voilà. Ton premier Pikachu est une femelle. Ah, tu l'as gardé en femelle quand même? Moi je le voulais mal. Après je pense que le style et tout ça change. Quoique pour plus de sécurité, mettons-la vraiment hors de portée. Ya! Oh le salaud! Oh!
Mais c'est Giovanni? Fiu! Sans la clé, t'arriveras jamais jusqu'au bureau du boss. Bon courage pour la choper maintenant. Oh! Y'a Giovanni! T'arriveras jamais à récupérer la clé, faudrait que tu puisses grimper au mur. La pêche de Pokémon a l'air sacrément dégourdi. Mais non. Peut-être possible de grimper grâce à la marche-pied. Alors là-dedans, il n'y a absolument rien. C'est très lourd, impossible de passer le carton. Oh! Mais c'est nouveau ça! Et hop! Mais non. Aidez-vous vos partenaires pour récupérer la boule du sbire. Mais non! Mais non! Message est. Au fait, mon propre catch une femme. Ah, mon message est en vérification parce qu'il y a le mot queue. Excellent coup de la chaise. Je te jure. Mais c'est trop bien ça! Ok. Mais non. C'est trop bien ça! Dis, t'as pas entendu un drôle de bruit? Si j'ai entendu un truc aussi, tu penses à ce que je pense? Et si c'était un intrus? Graorgr. Ou c'était que le ventre de Miaouss qui gargouille? Arrête de me faire peur, espèce d'estomac sur pattes. Trop bien! Excellent le coup de base. Par contre, ça y avait pas dans Pokémon Jaune, ça y avait pas. Ça c'est trop bien fait. C'est moi le morveux. Eh, je te reconnais, t'es le morveux du mont Sélénite. Qu'est-ce que tu fiches ici? Attendez, on est ça, je vous rejoins la Team Rocket. Vraiment, super. Tiens, voilà ton unif. Mais tu me prends pour une idiote ou quoi? Laisse-moi te dire une chose. Jamais tu arriveras jusqu'au boss. Comment oses-tu nous humilier au mont Sélénite? Cette fois, tu vas prendre cher. Jesse de la Team Rocket et James de la Team Rocket veulent se battre. Raboquer avec Smogo. Ah! Smogo Go. Attention. Voilà. Oh non! Regarde Médusant. Oh le salaud. Yes. J'ai pas vu ma vie. Yes! Merci au carnage. Parfait. Oh t'as vu c'est stylé ça, comme ça part en diagonale. Je vais te remonter au niveau 25. Top. Oh, c'est trop drôle qu'il fasse une fois qu'on se bat, ça fait. J'aime bien certains personnages proposent des échanges avec des affrontements. Ouais, c'est cool ça. T'es vraiment insupportable, morveux. Oh non, je pensais que cette fois ce serait la bonne. Oh, ça va, hein. Pas la peine de faire ton crâneur juste parce que ton équipe est un tout petit peu balèze.
Ouais, d'abord tu vas voir, on va te... Warg! La team Rocket a le visage du son. Kachou n'est pas du tout impressionné. Très bien. T'as vu, j'ai trouvé une banana dorée. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Attends, je vais faire un truc avant d'aller en combat. Total soin. Hyper potion. Parfait. Dis voilà. Oh! Grâce au scope Sylph, nous en avons enfin la preuve formelle. Le Sylph dispose bel et bien des technologies nécessaires pour nous permettre d'atteindre notre objectif. La Team Rocket triomphera. Une machine protectée des êtres invisibles. On dirait la description d'un vulgaire jouet. Et pourtant, soit. Amos, poursuivez la filtration de Sylph. À vos ordres. Quoi? Mais que fait cet enfant ici? Tu as tout écouté sans piper et mot. Voilà qui est une guerre honorable. Je suis Amos, l'Allemagne de la Team Rocket. Je n'ai aucune pitié même pour les enfants. Stylé. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer? C'est mon gogo. Faudrait un Pokémon feu là, mais j'en ai pas. Ah si, j'en ai un, merde. Bon, il est dans la Pokéboîte. Il m'a empoisonné. Non. Yes. C'est trop bien ça quand les Pokémon fait ça. Je vais reposer mes yeux après plus de 6 heures sur Pokémon aujourd'hui. Bonne nuit. Bonne nuit. A bientôt. Oh mince, je vais prendre cher là. Ah, c'est empoisonné aussi. Non. Je vais me payer ça. Son Pokémon. Voilà. Attendez une seconde. Changer de Pokémon. On n'a pas changé. Vite. Mais non. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est un Pokémon qui est... Attends. On voit que mon Pikachu tombe KO. Hein.
voilà. Sprint. Parfait, on a fini son compte. Yolo. Soit au niveau 40. Quelle infamie. Giovanni, pardonnez-moi, j'ai perdu face à un enfant. Une potion. On va commencer à foutre un Giovanni. Eh bien, tu as réussi avec Ramos, rien que ça. Tu me surprends, tu es genre encore yes. Pour nous en cesser plein, Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour ça, nous en capturons dans le monde entier. Et c'est moi, Giovanni, qui suis à la tête de cette organisation. Quoi, tu veux que je libère Osley? Les. Moi, hahaha. Est-ce l'unique raison de ton infiltration ici? Est-ce qu'il est péril? Les enfants sont vraiment inconscients. Je vais te punir pour ton insolence. Attention, bâton de contre Giovanni. Avec du Pokémon? Ils ont pas persian. Un salon. Allez, type roche contre un type plante. Attention. Tip top. Et c'est la fin. Damnation. La tête de Giovanni. Battu à plate couture par un mioche. Je l'ai un peu mauvaise. Pars donc avec cette os les stats, chante. Os. Accepte également ceci, je n'aurais pas dû te prendre de haut juste parce que tu es jeune. Vous obtenez le Scopsylph. Scopsylph. Je vois que tu as lève tes Pokémon avec le plus grand soin, mais cela ne change rien au fait que tu peux rien comprendre à mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera. Os. Je les repars vers l'avant-ville. Peut-être le Scopsylph pourrait servir à étudier le mystère des fantômes.
après la ville, très beau dessin. Les parties sont retournées à conseil, fait pareil. Va donc voir ailleurs si on y est, histoire de faire fonctionner comme si ça t'occupera. Bonjour l'ami, ne dis rien. Ce sera cette machine, n'est-ce pas? Tu veux en savoir plus? Oui. Ah, je le savais, Haim, alors voilà. Je te présente la super machine fabuleuse qui vole dans le ciel. En toute modestie, j'ai vraiment fait du bon boulot. Toutefois, il faut toutefois connaître une technique secrète pour l'utiliser. Malgré toute l'énergie investie pour la concevoir, personne n'ose monter dedans. Mais toi, tu vas l'essayer, n'est-ce pas? Je n'en doute pas. Je te montrerai qu'on utilise. On utilise la technique secrète l'envol. Oh, quant au Pikachu qui va la piloter? C'est parfait, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Allez, hop, c'est parti. Tourne le guidon, gonfle les ballons. Pikachu après la test envol, trop bien. La test envol pour retourner dans une ville que vous avez déjà visité en volant. Pour l'utiliser, sélectionnez l'icône de votre partenaire dans le menu principal puis l'option technique secrète. Si vous m'avez l'air sympathique tous les deux, je vous offre la machine. Profitez-en bon. Bon nuage. Oh, trop bien.